Les 12 coups de minuit retentissent sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Mais cette année, pour les fidèles, la joie a laissé place au recueillement. Ça nous paraît important de manifester le fait qu'on puisse aller se rendre dans notre lieu de culte pour montrer que finalement on résiste. Vérification des sacs et des manteaux à l'entrée de l'église sous l'œil vigilant des militaires. Un dispositif de sécurité renforcé après les attentats du 13 novembre. Étant du Brésil, on parle beaucoup de violence. Mais on ne voit pas comme par exemple des militaires dans la rue avec des armes lourdes. C'est quelque chose qui m'a marqué en venant en France. Et pourtant, ils étaient très nombreux à venir assister à la messe de Noël, un rendez-vous immanquable. C'est une belle célébration qui unit les gens, ça c'est sûr. Il y avait beaucoup d'émotions à l'intérieur. Et bien sûr aussi pour la magie de Noël. Après, nous, on peut ouvrir nos cadeaux, donc comme ça, après, ça va plus vite. Un Noël presque comme les autres, une soirée qui s'achève sous le signe de l'espérance pour les chrétiens de France.